Esprit de Saint-Esprit, bon, tu bats tes yeux. Le feu. Go. Libère sa vie maintenant, je t'ordonne de partir. Tu es neutralisé par le feu. Je prophétise par le nom puissant de Jésus. Il restaure tes finances. Il répond ici. Je vois un courrier de bonnes nouvelles. Il répond ici. Je viens par le nom puissant de Jésus. The mighty name of Jesus. L'Éternel te décharge. The Lord remove the load. Ce lourd fardeau. That load que tu portes. You are bearing. Il libère ta vie. Release your life. Fire. Touche. Je vais prophétiser. Tu sèches ces lames dès maintenant et à jamais. L'ange de la mort s'éloigne. Et ne revient plus jamais. Ne reviens plus jamais. Ne reviens plus jamais. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour tes grâces et tes faveurs. Je crois en toi. L'Éternel te fortifie. Tu vas apprendre une nouvelle. You hear a news? Je vois comme quelqu'un du nom de Pacom. The name of Pacom. Ça te dit quelque chose? Do you know Pacom? Pacom. Pacom. C'est qui? C'est ton beau-frère. Il est noir. Oui. Il est noir. Oui. Tu vas apprendre quelque chose. You hear something about him? Je ne sais pas ce qu'il fait. I don't know what he's doing. Dans la vision. In the vision. Je suis en train de voir quelqu'un qui fait des trucs sur un tableau. Sound like comme de l'art. Like an artist. Tableau, Max, tout ça. C'est ce que je suis en train de voir. Max, tout ça. Il fait Max. Ça fait combien de temps il a arrêté? Je ne sais pas, mais il faisait avec une Sud-Africaine qui est rentrée et puis il a arrêté. Mais l'Éternel va le bénir. The Lord will bless him. Il le voit, il va reprendre. He will start again. Mais il faut qu'on prie pour lui. We have to pray for him. Je suis en train de voir. I'm seeing. Ils vont mettre quelque chose dans une boisson. They'll put something in a pour drink. Et il a même visage avec ton mari. He has the same face of with your husband. Parce que je le vois à côté. I see him near il ressemble beaucoup à ton mari. Look like your husband. Hein? Voilà, il ressemble beaucoup à son mari. Look like your husband. Ce problème de poumon. That problem of our liver. C'est un envoûtement. It's an envoûtement. Ange de la mort. Spirit of death. T'es levé contre cette famille. You come against this. Je maudis. I curse you. Je détruis. I destroy you. Je maudis. I curse you. Je détruis. I destroy you. Je maudis. I curse you. Je détruis. I destroy. Matthieu, je vais aller en profondeur. I go deeper. My God. Matthieu, c'est un homme. He's a man. Et il est imam. He's an imam. Il a dit ceci. He said, je vais tuer. I will kill. Tous les enfants de mon cousin. All the kids of my cousin. Ce monsieur était imam. The man was imam. C'est un imam. The imam. Il est parenté au père Koné. He's a relative. Mais l'Éternel est Dieu. The Lord is God. Je maudis sa bouche. I curse his mouth. Je maudis sa bouche. I curse his mouth. Je maudis. Si ses enfants n'ont pas réussi, les enfants de ce monsieur vont réussir. Ils vont prospérer. Ils vont connaître les espoirs. Au nom puissant de Jésus. Normalement, il a une grande destinée. Il devait venir en Europe, tout s'est compliqué. Mais il va venir. Mais on va maudire d'abord l'envoûtement au niveau de son poumon. On va détruire ça. Je consacre cette eau. Pendant qu'elle serait en train de boire, cette eau purifie aussi son sang par le nom puissant de Jésus. Quand tu révèles, ce n'est pas pour que la chose arrive. Tu allumes cette chose dès maintenant et à jamais.
Seigneur, je le vois. Je le vois venir en Europe, mais sa base sera Londres. C'est là-bas qu'il va prospérer. Et ça va marcher pour lui. Accomplis ta parole. Oracle de l'Éternel, c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Tu peux boire l'eau. Nos Bibles rapidement. Dans le livre de Nombres, nous allons prendre un seul verset, Nombres 23. Et nous sommes dans le verset 25. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Amen. Donc le texte de ce jour dit que deux hommes se sont mis ensemble pour maudire celui que Dieu a béni. L'un s'appelle Balak, parce que c'est lui qui a eu la pensée de maudire ce que Dieu a béni. Et son acolyte qui s'est joint à lui pour l'aider dans sa tâche macabre s'appelle Balaam. Que Dieu, son nom soit loué. Le texte dit que Balak, qui s'est proposé de maudire Israël, a appelé celui par qui la malédiction serait effective. Mais chemin faisant, comme le dit le verset, il dit, comme tu ne peux pas les maudire, mais au moins ne les bénis pas. Dis, c'est faux. Dis, ils ont menti. Ils ont menti. Répète, c'est faux. C'est faux. Répète, ils ont menti. Ils ont menti. Car sur ma tête, car sur ma vie, il y a la promesse de Dieu. Car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce matin, je suis venu dire à ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui méditent ma chute, de mes yeux, je verrai leur rétribution. Arme forgée contre moi est sans effet. Leur langue qui s'est levée contre moi en jugement est condamnée. Ce matin, c'est ce pourquoi nous sommes là. Que Dieu son nom soit loué. On peut marcher ensemble, on n'a pas les mêmes problèmes. Alléluia. Pierre avait quelque chose à prendre, mais Jean avait quelque chose à voir. Oh, toi et moi, nous voulons être Job 42. Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est ce pourquoi on vient à l'église. On n'est pas à l'église pour chauffer banc. On ne vient pas à l'église pour chauffer les bancs. On vient à l'église pour dire, j'ai prié, le Seigneur m'a exaucé. Le plan de l'ennemi a été renversé. Le programme du diable a été renversé. Quand je vois Manassé, je suis heureux d'être venu en France. Oui, parce que si Dieu ne m'avait pas délocalisé, je n'aurais pas eu Manassé. C'est pourquoi Dieu ce matin t'a délocalisé comme Balaam a été délocalisé pour venir te maudire. Puisque Balaam était dans une autre ville, dans un autre pays. Mais à cause de toi, ils l'ont délocalisé pour qu'il se joigne à l'ennemi pour te maudire. Mais ce matin, je te dis, quelle que soit la délocalisation du diable, tu restes béni. Amen. Ce matin, quelle que soit la délocalisation du diable, tu restes béni. Pourquoi tu restes béni? Parce que Dieu dit que lorsqu'Israël sort d'Égypte, dans le livre d'Exode 23, verset 25, il leur dit, voici, j'ai mis un ange devant vous, il vous conduira dans le pays. Qu'est-ce qui va t'arrêter? Quand tu étais en Égypte, tu n'es pas resté. Maintenant que tu es sorti, ils ne vont pas te bloquer? Quand tu étais en Égypte, ils ne t'ont pas empêché d'avoir enfant. Même s'ils ont fait que tu es enfant, papa Augustin, papa miracle, mais tu as eu enfant. Ce n'est pas maintenant que tu es sorti d'Égypte qu'ils vont bloquer le milliardaire qui doit venir s'épouser. Quand on regarde le texte se trouve dans le nombre chapitre, dans le livre de Nombre. Israël est sorti d'Égypte en exode. Donc il y a eu Lévitique, il y a eu quoi? Nombre. Mais dans Nombre,
Pourquoi est-ce que c'est là-bas que Dieu, l'ennemi se lève pour venir maudire? Parce que Moïse doit mourir après dans Deutéronome. Mais celui qui les conduit, c'est Moïse. Or, avant que cette parole n'arrive, quand vous regardez Nombre 19, on nous parle d'un sacrifice à faire. Mais dans Nombre 20, Aaron et Myriam meurent. Israël pleure, Aaron et Myriam, surtout Aaron, pendant 30 jours. Nombre chapitre 20, le verset 16 dit que pendant 30 jours, ils ont pleuré. Mais c'est au moment où tu pleures que l'ennemi prépare un coup contre toi. Ce qu'il oublie, c'est que ton Dieu ne sommeille, ne dort. Même s'il prépare, ça ne... Même s'il prépare... Ce qui m'a touché quand j'ai lu Nombre 22, Nombre 23, Nombre 24, Dieu ne donne aucun message à Moïse. Pourtant, Moïse est au milieu du peuple. Alléluia. Tu peux être ici et mon patron ne voit rien sur toi. Parce que ce combat-là, Dieu s'est chargé de le faire lui-même. Donc, il ne dira pas à mon patron, ainsi parle l'Éternel. Il ne faut pas lui en vouloir. Alléluia. Moïse est au milieu du peuple. Moïse est prophète. Mais les ennemis dans l'obscurité ont comploté pour maudire Israël. Et Dieu ne révèle rien à Moïse. Pourtant, la Bible dit quoi dans Amos 3? Il dit, l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Moïse était prophète, oui ou non? Oui, il était prophète. Mais dans l'œuvre de Dieu, ce que nous oublions, il y a la volonté permissive et il y a la volonté parfaite. Donc ce matin, je veux dire à quelqu'un, si tu as quitté ta famille pour venir ici, les sorciers de là-bas ont un autre plan. Alléluia. Les sorciers de chez toi, là, ils ont un autre plan. C'est là qu'on va partir. Merci patron. Moab est de la même famille que Israël. Parce que Moab, c'est le petit-fils de Lot. Lot est le neveu d'Abraham. Et Abraham, c'est par lui qu'Israël est conçu. Qu'est-ce qui se passe? Quand dans ta famille, ils te poursuivent, ils n'arrivent plus à t'avoir, ils utilisent les membres de l'église pour te faire du mal. Lorsque dans ta famille, ils ont attaqué depuis l'Égypte, pour bloquer ton enfantement, pour bloquer ta grâce, pour bloquer ton mariage, pour bloquer le ciel de tes enfants, et que tu as quitté l'Égypte par la puissance de Dieu pour te retrouver dans ce lieu, ils disent maintenant, comme j'ai échoué en Égypte, je peux trouver quelqu'un dans l'assemblée qui va m'aider à accomplir la mission. Tout à l'heure, je parlais avec l'équipe de travail, je leur disais, quand le diable entre dans une maison, il ne vient pas pour tout le monde. Il vient parce qu'il a un ami à lui, à qui il a donné un rendez-vous pour accomplir une mission. Quand le diable entre dans une maison, c'est parce qu'il a un ami à lui, à qui il a donné un rendez-vous pour accomplir une mission. Mais ce matin, l'ami du diable, le collaborateur du diable qui est au milieu de nous, je déclare, il est mort. Je déclare, il est mort. La malédiction a plusieurs formes. La cupidité peut faire que tu vas attirer sur toi la malédiction. Le péché peut faire que tu vas attirer sur la malédiction. Mais dans ce cas de figure précis, tu n'as rien fait. Et on te maudit. C'est là où l'Éternel se lève. Dieu se lève et ses ennemis se... Dieu se lève et ses ennemis se... Pourquoi? Parce que Proverbe te dit que la malédiction sans cause est sans effet. Donc quand il se lève comme ça, parce que tu as droit à un joli sac Lancel, parce que le mari avec qui tu es là a commencé à réfléchir pour t'acheter une belle voiture. Oh Seigneur, je n'aime pas qu'il vive, qu'il meure et que ma voiture l'écrase. Mais moi j'aime le psaume 109. Il dit, puisqu'il aimait la mort, que la mort s'attache à lui. Merci mon papa. Moi j'aime le psaume 109. Lui-même qui est assis quand on prédit, c'est donc moi ta main.
Si on est passé par toi, on va mourir puis on va vivre. Hein? Parce qu'on va perdre beaucoup puis on va souffrir. Non, c'est le principe ça. C'est le principe. Josué a vu que s'il veut faire comme Moïse dans la miséricorde, il ne va pas arriver à Canaan. Josué dit, Éternel, je viens devant toi parce qu'il y a un désastre dans le camp. Ce n'est pas normal que nous ayons ta promesse sur nos vies, on va en guerre avec toi et qu'on soit déchu et qu'il y ait des morts. Dieu dit, Josué, ce n'est pas moi, mais il y a quelqu'un dans le groupe. Ce matin, s'il y a quelqu'un dans ton affaire, s'il y a quelqu'un qui parle contre toi, s'il y a quelqu'un qui manigasse contre toi, hier, quand mon patron m'a appelé, il était 16h, j'étais en train de nettoyer la maison. Il dit, prépare un message. Il dit, Seigneur, on est dans un temps où les langues doivent être coupées. Quel message tu vas me donner pour venir compléter langue qui doit être coupée? Ça fait rire, mais c'est sérieux. Tu as 40 ans, tu fais pipi sur toi. Tu dis que c'est normal ça? Non, entre nous. Hein? Mais il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre, qui a déclaré que toute ta vie, c'est le pipi qui sera pour toi. La mauvaise odeur sera pour toi. Et toi, tu dis, non, Dieu va faire. Quel Dieu va faire? Dieu dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. On va venir jouer avec ça. On va venir jouer avec ça. J'ai pas assez de temps. Je vais laisser le micro rapidement. Mais il faut que je développe deux, trois choses. Balaam et Balak sont unis à cause de leur nom et de leur signification. Balaam signifie celui qui détruit. Balak signifie celui qui brise. Donc, avec qui tu marches? Avec qui toi là tu marches? Parce que si Balaam n'était pas un briseur, il ne marcherait pas avec celui qui détruit. Avec qui toi tu marches? Ma maison, c'est lui qui connaît chez moi. Hein? Parce que lui et moi, nos esprits se correspondent. Et moi, chez moi, il y a une chose. Éternel, tout Jonas dans ma vie qu'il meurt. Je n'ai pas dit qu'il sorte du bateau. Tout Jonas dans ma vie qu'il meurt. S'il va dans l'eau et que Dieu veut que le poisson le prenne, mais moi, je ne veux plus qu'il sorte de mon bateau. Si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. On a accepté des conciliabules qui nous ont menés dans des complots et qui ont produit la mort. Je dis bien, on a accepté des conciliabules qui nous ont mis dans des complots qui ont produit la mort. Abraham, Dieu dit, sors. Il dit, l'autre, c'est l'enfant de mon frère. Si je le laisse, il va mourir de faim. C'est bien. Mais Dieu t'a dit, prends l'autre, non? Oui, Dieu t'a dit, prends l'autre. Il dit, c'est toi. C'est toi. Ah, mon enfant, s'il est sorcier, Manassé, tu vas mourir, on va avancer. Je répète. La Bible dit quoi? Exode 22 dit, tu ne laisseras pas vivre, oui, la magicienne. Et nous, on dit, non, Dieu va prier. Et Jésus dit, il faut prier pour ton ennemi. Ça, si tu veux écouter ça. Mais la nuit, ils vont te griffer. Matin, tu vas perdre ton mari. Le soir, ton travail sera gâté. Mais le même Jésus qui a dit là, Judas est à côté de lui, non? Quand il donne le pain, Jean 13, 17 dit, et Satan entra à lui. Et ça, j'aime Paul. Dans 2 Timothée 4, Paul dit, j'ai livré Alexandre et il menait à Satan. Oh, j'aime bien ça. Il dit, je les ai livrés à Satan. Éternel, envoie l'ange qui amène à la mort, venir les chercher. Toi, tu dors tranquille, Dieu fait le travail. Oui. Faut pas qu'on se mente. Balaam et Balak sont des frères. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui détruit est frère de celui qui ruine. Toi, tu marches avec qui? Toi, tu marches avec qui? Quelqu'un qui va parler mal de mon patron? Quand il t'a regardé, je me suis levé, tu es crié devant moi. Non.
La vie là, c'est un choix. Pour que Élisée devienne quelqu'un, il a fallu que Dieu fasse vivre Élie. Élie devait mourir, mais à cause d'Élisée, Dieu a dit tu ne mourras pas. Nous, on ne connaît pas notre source de bénédiction. Et on joue avec ça. Moi, je viens de loin. Donc, moi, j'aime la mort du sorcier. Ah, ça, c'est moi, hein. Maintenant, chacun voit. Moi, je viens de loin. Donc, moi, j'aime la mort du sorcier. Quand j'ai lu la Bible, la partie où on dit l'Éternel fait grâce. Je ne suis pas dedans. Ça, c'est moi, hein. Chacun a pour lui. Moi, je ne suis pas dans ça, hein. Éternel, mon Père et mon Dieu. Moi, j'ai payé ma dîme et le compte est vide. S'il y a un dévoreur, frappe sa bouche de lèpre, frappe sa main de lèpre, frappe ses pieds de lèpre, frappe son corps de lèpre pour qu'il laisse mon argent et que je paye ma dîme. Quand j'étais avec sa mère et qu'elle était enceinte, elle m'appelle et me dit, ah, je suis parti à l'hôpital. On dit l'enfant est trisomique. J'ai dit c'est pour le docteur. L'enfant, j'ai gêné beaucoup pour ça. C'est pas pour moi là. Elle me dit, Adjoukoula me dit, j'ai dit toi mais tu me connais pas, hein. Comme on dort sur le même lit, tu me vois qu'on est même chose. Non, hein. Non, hein. Mon patron là, je peux tout faire. Mais les anges sont de lui. Mais si tu es mort, donc je connais ma place. Moi, je connais ma place. Tu peux me taper Yedo. Mais moi, je ne tape pas là-bas parce que si je tape, je n'ai pas de problème. Uza a voulu arrêter quoi l'arche, il est mort. Donc moi, je connais ma place. Hein. Elle m'appelle, je dis, mais il y a quoi? Elle dit, docteur, elle dit que l'enfant, elle est trisomique. Il n'a pas bien parlé, ses pieds sont gâtés. Je dis, c'est l'enfant du docteur. Pour moi, là, l'enfant là que j'ai jeûné, l'enfant là que j'attends, pour moi, là, non, ce n'est pas pour moi. Je lui ai dit, Nya, tu vas quand voir le docteur? Elle dit lundi. J'ai dit, bon, lundi, son gros livre, là, Vidal, il va prier, il va brûler. Elle dit, toi, tu parles trop. J'ai dit, Vidal, là. Parce que les médecins, ils ont Vidal pour faire ordonnance, non? Maman, il me dit ça, non? Et ils sont Vidal. Papa, dis-je, si je mens, hein? Parce que mon cousin aussi est docteur. Donc, Vidal, c'est gros livre. C'est là, il voit prescription. J'ai dit, son Vidal, là, il va brûler. Parce que ça, là, ben, à moi, une autre assise. Je suis rentré au laboratoire. J'ai commencé à dire le nom de sa maman. J'ai dit, tous ceux qui sont à Soubré, moi je les convoque devant le trône de Dieu. Tous ceux qui sont à Grand Bérébi, je les convoque devant le trône de Dieu. Moi je convoque les gens de Bonne, les gens de Dibremou. Mon enfant là, c'est pas trisomique. Mon enfant là, c'est pas trisomique. Non. Il y a des enfants, leur nom, on ne parle pas. Enfant de pays, non, on ne connaît pas son nom dans sa Bible. Dans la Bible, on dit qu'elle a fait enfant. Moi, je ne veux pas ça. Hein. Non. La grâce de Dieu, elle appelle les gens à venir prier Dieu. La bénédiction de Dieu, elle attire, c'est comme du miel. Tu vas où? Je vais à l'église. Mon frère, je te suis. Parce que vraiment, depuis que tu vas à l'église, tu as une belle Mercedes. Vous savez pourquoi? Les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de ça. Moi, j'ai lu Genèse 24 cinq fois. J'ai compris une chose. Lorsque Laban a vu les bijoux dans la main de sa sœur, il dit, il faut marier le monsieur là. C'est dans Genèse 24. Hein. La Bible dit que Laban ne voulait pas. Mais quand elle est venue, regarde. Un bijou. Regarde ici un bijou. Regarde ici un bijou. Puis il m'a donné l'argent. Ah, ma sœur, va là-bas, vite, vite. Saint-Esprit a son temps. Mais quand ceci finit de faire son temps, il faut montrer aux hommes ce que le Saint-Esprit a fait dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit que ces paroles que vous entendez sont esprit et derrière l'esprit, il y a la vie. Je ne vais pas venir nettoyer l'hôtel. Tu me menaces, on m'appelait pour dire, non, quand je me rate à l'hôtel, je dis, ange de l'Éternel, tu n'as pas bien fait ton travail. Parce que moi, je suis venu à 5h du matin premier. J'ai nettoyé l'hôtel, Manassé doit être gardé. Tu as bien compris? Parce que tu as droit de parler à l'ange comme ça. C'est ce qu'Ézéchias a dit, non? Dans Isaïe 38. Éternel, souviens-toi de ce que j'ai fait. Mais toi, tu ne fais rien. Tu as parlé quoi? Quand on ouvre le livre de souvenirs, on ne voit rien dedans.
Donc, au moment où tu veux parler, il ne peut pas t'écouter. Il ne peut pas t'écouter. Ce matin, je t'explique quelque chose. La sorcellerie n'est pas finie, ils te poursuivent encore. Mais maintenant, ils sont venus appeler un homme de l'église. Hum? Jésus a échappé à qui? À Hérode, non? Ils ont trouvé Judas où? Dans l'église. Dans l'église, non? Donc, là où nous sommes là, chacun n'a qu'à s'examiner. Ah oui, hein? Parce que celui qui est venu pour maudire, on n'a pas dit c'était un homme du monde, c'était un prophète. Ils ont cherché, ils ont tourné, mais ils sont tombés sur lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas des nôtres. Judas n'était pas de leur. Il était au milieu d'eux, mais il n'était pas de leur. Donc quand tu es au milieu des gens et que tu n'es pas de leur, on va t'utiliser. Alléluia. Oui. Si toi, quand tu viens à ma vie et que tu vois ce que Dieu fait, tu vas là-bas et on raconte des choses et toi, tu écoutes, c'est que tu n'es pas des nôtres. Je répète. Tu viens à ma vie. Mon patron se lève. Ah, soeur, bonjour. Que Dieu te bénisse. Je peux te parler, oui. J'ai vu que tu dois faire un voyage. Mais j'ai vu une construction de maison. Et j'ai vu que sur ce terrain-là, il y a un problème. Toujours même chose. Toujours même chose. Donc, quand tu sors de là, l'esprit qui rejette les bonnes choses de la prophétie-là va t'accompagner. Et celui avec qui tu vas marcher sera un dénigreur. Quand tu vas mettre ton internet, c'est ceux qui parlent mal des pasteurs que toi tu vas écouter. Parce que tu es parti avec la chose qui les attire.